I know you're gonna dig this. Might seem crazy what I'm about to say. Sasha and she is here, you can take a break, yeah. Que nous apprennent les grands historiens du Moyen Âge, depuis le plus grand d'entre eux qui est Philippe Ariès, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est que nous avons vécu en Europe, et je vous dirai pourquoi ça s'est fait en Europe et pas ailleurs, en tout cas pas ailleurs initialement, nous avons vécu ce que j'ai appelé la révolution de l'amour, c'est-à-dire le passage du mariage arrangé, du mariage de raison, arrangé par les familles et même par les villages. Eh bien, nous sommes passés de ce mariage arrangé au mariage de raison, encore une fois arrangé, sans qu'on demandât aux jeunes gens leur opinion, sans qu'on tînt compte de leur choix personnel, encore une fois mariage arrangé par les familles ou par les villages. Eh bien, nous sommes passés en Europe, et en gros ça se fait tout au long du 19e et du 20e siècle, nous sommes passés au mariage choisi par les jeunes gens, vous vous marierez par choix, c'est pas vos parents qui vont vous marier, eh bien, le mariage choisi par les jeunes gens, par amour et pour l'épanouissement de l'amour dans la famille, notamment l'amour des enfants. Et au fond, je le dis tout de suite, c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, seulement dans les années 50-60, qu'en Europe, le mariage d'amour, c'est-à-dire le mariage choisi par les jeunes gens, par amour et pour l'amour, va devenir véritablement la règle de nos unions. Et ça, c'est ce que nous ont appris, au fond, très récemment, seulement depuis une quarantaine d'années, les grands historiens des mentalités, comme on les appelle, c'est-à-dire Philippe Ariès et ses élèves. Lisez, par exemple, si ça vous intéresse, le joli livre de mon vieil ami François Lebrun, qui s'appelle « La vie conjugale sous l'Ancien Régime ». Et puis, si vous n'avez pas envie de lire les historiens, lisez une petite nouvelle de Maupassant qui est absolument géniale et qui s'appelle « Jadis ». Et c'est une conversation entre une grand-mère et sa petite-fille qui est tout à fait représentative de cette histoire que racontent les médiévistes. La grand-mère habite encore dans le grand siècle, c'est-à-dire dans le mariage arrangé, où il n'est pas question d'amour. Et la petite fille vit déjà, elle est moderne, dans le mariage d'amour choisi par elle et par son amant, par son fiancé. Eh bien, la nouvelle de Maupassant est assez drôle parce que la vieille dame est absolument effarée par la bêtise de la petite fille. Et elle lui dit, mais ma petite fille, le mariage n'a aucun rapport avec l'amour, tu es folle. La preuve, lui dit-elle, c'est qu'on ne se marie qu'une fois dans sa vie, mais on aime 20 fois. Et elle encourage vivement la petite fille à tromper son mari. C'est la vieille qui est libertine et la petite fille qui est conservatrice parce qu'elle est dans le mariage d'amour et donc dans la jalousie. Les historiens nous appellent trois choses. Et je vous dis ces trois éléments historiques de fond. Alors, encore une fois, je l'ai dit très, très vite, pardon. Mais, et puis j'en tirerai en conclusion les conséquences et puis je m'arrêterai là. Vous voyez que les conséquences sont absolument gigantesques sur le plan métaphysique et politique. Premier enseignement des historiens du Moyen-Âge, c'est qu'au Moyen-Âge, on ne se marie jamais par amour. Ça n'existe pas. Le but du mariage, le but de la famille est triple. Il s'agit du lignage, c'est-à-dire la transmission du nom et du patrimoine à l'aîné, on se marie pour transmettre la ferme, tout simplement, à l'aîné, et puis on se marie pour fabriquer des bras et faire tourner la ferme, c'est-à-dire pour des raisons biologiques, économiques, parce qu'il n'y a pas de salariat, on est dans le régime féodal. Et donc on se marie pour des raisons lignage, économie, biologie, qui n'ont aucun rapport avec le sentiment, comme dit mon vieil ami Lebrun, quelquefois les gens s'aimaient dans le mariage, mais c'était très rare et pas le but du jeu. On avait des maîtresses ou des amants. Les grands mythes amoureux du Moyen-Âge, que ce soit Tristan ou Isolde, le roi Marc et la table ronde, oui, on est amoureux, bien sûr, l'amour amoureux existe depuis toujours, mais pas avec sa femme, ni avec son époux, mais c'est en dehors, c'est avec son amant ou sa maîtresse. Et il y a un petit texte de Montaigne qui est très drôle, très grossier, pardon, mais enfin c'est Montaigne, je ne peux pas le changer, auquel je vous renvoie. C'est le livre 3 des Essais, le chapitre 5, qui est consacré à l'histoire de la famille et de la vie privée. Et Montaigne s'adresse aux hommes, il leur dit cette phrase qui aujourd'hui est un peu choquée, qui est amusante en même temps. Il dit, messieurs, n'épousez jamais votre maîtresse. La maîtresse, c'est celle qu'on aime d'amour, passion, d'amour érotique,
On est amoureux, on est passionné. La femme, c'est bobonne, c'est celle qui tire la charrue quand le cheval est malade, ou l'âne est malade, et c'était comme ça dans les campagnes, puisqu'on n'était pas dans le mariage d'amour. Et donc, Montaigne dit « N'épousez jamais votre maîtresse, messieurs », et il ajoute cette phrase terrible « Épouser la femme qu'on aime, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête ». Voilà. Ça en dit long sur ce qu'on pense du mariage d'amour à l'époque. C'était ma rubrique « Ami poète, bonjour », mais enfin, c'est du Montaigne, je ne peux pas le changer. Ève Ruggieri raconte, je crois c'est dans sa biographie de Champin, elle me disait ça l'autre jour, elle raconte une anecdote qui est aussi très typique de ça. Parce que comme il n'y a pas d'amour-passion, il n'y a pas de jalousie non plus entre hommes et entre époux et entre mari et femme, épouse. Eh bien, c'est un aristocrate qui est parti pour un long voyage, il rentre dans son château à l'improviste, et il trouve sa femme agenouillée devant un de ses serviteurs en train de faire ce qu'on appelle communément une bonne manière ou une gâterie, donc je vous laisse imaginer de quoi il s'agit. La scène ne prête, hélas, pour lui à aucune ambiguïté, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et alors cet aristocrate s'exclame tout de même un peu choqué, lui dit « Mais enfin, madame, imaginez que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit rentré dans la pièce. C'eût été une catastrophe. » Et donc, au fond, ce que signifie l'anecdote, c'est qu'il n'est pas du tout jaloux. Ce qui le gêne, c'est simplement la question de la bienséance et du candidaton, si vous voulez. Mais la jalousie n'existe pas dans le mariage, puisque l'amour-passion n'y est pas. Et la jalousie est évidemment un sentiment qui est proportionnel à la passion amoureuse. Le deuxième enseignement des historiens, c'est que de toute façon, au Moyen-Âge, on ne se marie pas, on est marié. On est marié non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, par ses parents. Au fond, jusqu'aux années 60, on ne se marie guère, surtout les filles, sans l'autorisation du père de famille. On peut, mais c'est très difficile, c'est un coup de force. Et donc, au Moyen-Âge, on ne peut pas. C'est même passible, dans certaines régions de France, de la peine de mort. On ne se marie pas sans l'autorisation du père et de l'ensemble de la famille, mais c'est pas seulement la famille, c'est le village. Le mariage, il est l'occasion pour toute la communauté villageoise, c'est une affaire de la communauté, c'est pas les individus qui décident. Eh bien, le mariage est l'occasion, par exemple, de réconcilier des familles qui sont fâchées, comme dans l'aristocratie, on met des pays ensemble. C'est l'occasion, réconciliant des familles fâchées, de mettre ensemble des parcelles de terrain qu'on pourra cultiver plus facilement. Et donc, il y a des enjeux communautaires dans le mariage qui sont fondamentaux, de telle sorte que, encore une fois, c'est la communauté tout entière qui marie les jeunes gens. Il y a une pratique qui a passionné les historiens de la famille pour cette raison, c'est la pratique du charivari. Aujourd'hui, tout le monde a oublié ce que ça veut dire. Pour nous, le charivari, c'est simplement un boucan. On dit aux enfants, arrêtez ce charivari. Bon. Mais le charivari, à l'époque, c'est une coutume. Alors, il y a plusieurs formes, mais celle qui m'intéresse, c'est lorsqu'un homme est cocu, lorsqu'il est trompé par sa femme, eh bien, le malheureux, on va le chercher dans son champ, on le chope sur son âne, on le ramène sur son âne dans sa maison. Alors, on lui fait traverser le village assis à l'envers sur son âne. Ça s'appelle l'azouade. On lui crache à la gueule, on lui jette des légumes pourris, on le cogne un peu, on l'insulte, et puis on remet les deux époux, femme et mari, dans leur maison, et on va taper, c'est ça le charivari, sur les murs, avec pelle, pioche, poêle, casserole, tout ce qui peut faire du bruit, quelquefois jusqu'à 48 heures. Et ça a passionné les historiens, parce que ça montrait que le mariage n'étant pas affaire privée, n'étant affaire de toute la communauté, c'est aussi toute la communauté qui rappelait la loi du mariage, c'est-à-dire la fidélité. Et quelquefois, d'ailleurs, on faisait une espèce de carnaval avec de faux musiciens munis de faux instruments de musique, mais faisant un boucan du diable, c'est ça le charivari, pour rappeler aux époux la loi du mariage, de la famille. Et tenez-vous bien, quand on n'avait pas chopé le mari, parce que voyant les paysans arriver, il pouvait s'être carapaté, sentant qu'on allait lui faire sa fête, eh bien, on chopait le voisin le plus proche et on lui faisait subir le même sort. Et c'est très important parce que c'est l'idée de contrôle social. Il n'avait qu'à surveiller. C'est l'idée de communauté qui est là. Troisième enseignement des historiens, et puis après je conclurai. Ce que nous apprennent les historiens du Moyen-Âge, c'est comment est né le mariage d'amour en Europe. Pourquoi on l'a inventé, ce fichu mariage d'amour? Eh bien, en vérité, c'est paradoxalement le capitalisme moderne qui va inventer la famille moderne, le mariage d'amour. C'est-à-dire la famille fondée sur le choix individuel et amoureux. Pourquoi? Juste, je vous donne le raisonnement squelettique, mais il est le bon. Il est développé par un très grand historien du Moyen-Âge, Edward Shorter, un historien américain de la France, dans un livre qui s'appelle « La naissance de la famille moderne » en collection Point.
remarquable livre. Eh bien, ce que montre Shorter dans ce livre, et tous les historiens aujourd'hui sont d'accord avec lui, c'est qu'en effet, lorsque le capitalisme va inventer, je vous fais ça très court, hein, le capitalisme va inventer le salariat et le monde du travail, le monde industriel, le monde ouvrier, fin 18e, 19e siècle. Quand le capitalisme invente le salariat va avoir un effet d'arrachement des individus par rapport aux communautés villageoises d'origine, où ils étaient mariés de force, en tout cas sans qu'on leur demandât leur avis. Mettez-vous à la place d'une petite gamine de 14 ans, 15 ans, qui va, comme on dit, monter à la ville pour être ouvrière dans une usine. Par exemple, une petite bretonne qui monte à la ville de Nantes pour travailler dans une usine de boîtes de sardines. Eh bien, cette petite gamine, elle va s'arracher comme un électron libre, si je puis dire, de cette communauté villageoise où on la mariait, sans lui demander son avis. Et quand elle va monter à la ville pour être ouvrière, eh bien, elle va bénéficier d'une double liberté qui va lui permettre non plus d'être mariée, mais de se marier, et du coup par amour. Pourquoi ? D'abord, la distance par rapport à la ville, au village plutôt, par rapport à la communauté où on l'a mariée de force. Distance par rapport au curé, par rapport aux frères et sœurs, aux oncles et tantes, etc. Donc la distance par rapport à la religion notamment, c'est aussi la naissance de la laïcité en Europe, c'est très important ce mouvement. Marx et Tocqueville décrivent de la même manière d'ailleurs ce mouvement de naissance de l'individu. C'est la naissance de l'individualisme, non pas au sens de l'égoïsme, mais au sens de l'arrachement par rapport aux structures communautaristes traditionnelles. Et puis le deuxième élément de liberté, c'est pas seulement la distance, c'est qu'au lieu de la taper le matin, cette petite, pour qu'elle aille garder les vaches au champ, eh bien on va la payer pour travailler. Et si petit soit-il, ce salaire va lui conférer une autonomie financière qui est le nerf de la guerre. Vous le savez bien, mesdames, pour divorcer, il faut avoir un salaire. Sinon, vous êtes très embarrassé. Si vous dépendez de votre mari, vous êtes très mal. Et ce sera le cas pendant très longtemps. Eh bien, cette autonomie financière, elle va permettre matérielle à cette petite gamine, par exemple, de prendre une chambre de bonne avec une copine ouvrière comme elle, et de décider de se marier et non plus d'être mariée. Elle va dire non au village. Je ne veux pas me marier avec le untel que vous avez prévu pour moi de toute éternité. Je veux me marier plutôt avec ce jeune homme bien fait qui travaille à côté à l'établi et pour lequel j'éprouve du sentiment, pour parler le langage de l'époque. Et donc, grâce à cet individualisme moderne, né lui-même du salariat, du passage du régime féodal au régime capitaliste, on va rentrer dans une logique où l'individu peut choisir, et notamment choisir sa vie, et choisir de se marier plutôt que d'être marié. Trois conséquences sur lesquelles je conclue, et je crois que je vais réussir à faire tenir la dinde dans le marron, mais trois conséquences. Première conséquence, et c'est ce que voulait dire Montaigne, l'invention du divorce, 1884, en France. Si vous fondez le mariage et toute la famille sur l'amour-passion, sur la passion amoureuse, alors vous le fondez sur quelque chose qui est éminemment fragile et variable. Le lignage, l'économie, la biologie, c'était du solide. Le fait de ne pas s'aimer n'était pas un motif de divorce au Moyen-Âge, ça n'avait aucune importance. La famille était solide, si je puis dire, parce qu'elle était fondée sur des principes stables. Si vous fondez la famille et le mariage sur l'amour-passion, la passion amoureuse, ça dure 3 ans, et le problème après, c'est comment transformer la passion amoureuse en quelque chose qui tient la route 30 ans, c'est-à-dire une amitié amoureuse, une tendresse, une complicité, ce que vous voudrez. Mais la passion amoureuse, ça ne dure pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on divorce beaucoup, parce qu'on a la nostalgie de ce moment merveilleux de la passion. Mais le problème du couple moderne, c'est comment transformer la passion amoureuse des débuts en quelque chose qui tient la route. Et la preuve que le problème est difficile à résoudre, c'est que 60% de nos mariages d'amour se soldent par un divorce. Invention du divorce. Je ne t'aime plus, c'est ça, j'ai bon ? Non, faux ! Tu n'as rien d'une cinglée. Et je sais que tu m'aimes encore, c'est ce que je me tue à te démontrer. Mais tu te trompes, Franck. C'est de la haine que j'ai. Tu n'es qu'un inconnu qui m'a fait rire à une surprise partie et maintenant je ne peux plus te sentir. Et tu sais quoi, si tu t'approches encore de moi, si tu essaies de me toucher, Franck, je vais hurler, je pense. Oh, April, s'il te plaît, arrête. Ah, va te faire foutre, April! Va te faire foutre avec ton mépris, tes cancers! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me battre? Tu m'aimes alors tu vas me battre? Oh que non, ça risque pas de m'arriver! Tu vaux pas l'effort que ça prendrait de te cogner dessus! Tu vaux même pas la corde pour te pendre! T'es vide, t'es creuse, t'as pas de cœur, t'es rien qu'une enveloppe vide! Et puis,
Mais qu'est-ce que tu viens foutre chez moi alors, si tu peux plus me voir en peinture? Hein, pourquoi? Pourquoi on est mariés, toi et moi? Pourquoi? Pourquoi tu portes mon enfant? Pourquoi t'as attendu qu'il soit trop tard pour te débarrasser de ce putain de gosse? Parce qu'écoute bien, parce qu'il faut que je t'avoue un truc, que j'aurais préféré que tu t'en débarrasses.